Je vous remets les clés de la ville de Ravenville. J'espère que votre visite vous permettra de choisir notre ville pour la construction d'un complexe hôtelier sur nos plages. Alors, on peut y aller. Aïe! Oh, dépêche-toi un peu, Bratty, on va encore être en retard à l'école. Du calme, mon vieux. À quoi ça me servirait d'avoir une caméra branchée en permanence sur mon site si personne ne le sait? Aujourd'hui, après la classe, allez visiter mon site à cette adresse et vous saurez comment on fabrique un monstre. Des monstres? Quel monstre qui apparaît de monstre? Ah! Comme vous le savez déjà tous, demain vous passerez votre contrôle trimestriel. Puis-je déduire qu'en affichant une telle décontraction, Arlène Plunkett, vous êtes tout à fait prête pour le contrôle de demain? Quoi? Vous avez bien entendu, Arlène. Il faudrait que vous envisagiez de réaliser un dessert exceptionnel pour cet examen. Car vous savez que toute votre année scolaire en dépend. Je ne vois pas ce que je vais cuisiner. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas annuler un rendez-vous avec Baby Orama Bobby. Salut, à plus. Décidément, c'est vraiment pas mon jour. Il faut que je fasse quelque chose qui épate Madame Fimple. Rien d'intéressant. De la gelée au citron vert, mais bien sûr. Fallait y penser. Maintenant, le plus délicat, comment je vais m'habiller? Et il me reste... Ah! 10 minutes! Oh là 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 là! Oh! Désolé pour ce petit retard. Chers amis, pour réussir à faire soi-même le monstre Blob, il faut énormément d'ingrédients. Et d'organisation. Tu as raison, Virgile. On a oublié le miel. C'est le petit détail qui va adoucir notre monstre et le mettre en bonne disposition. Je reviens tout de suite. Vas-y. Ouais. Brady, le retour. C'est quoi ça? Couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Et voilà! Vous avez fait tout seul le monstre Blob. Tu ne vois pas ce qu'on a encore oublié? Le moule pour Blob. C'est pas vrai! Notre Blob est terminé. Brady Blunkett, t'es un véritable génie. Ah, c'est quoi ce bazar? Est-ce que c'est vous? Non, impossible. Brady! C'est quoi ça? Oh, ça sent drôlement bon. Oh. Oh. Oh, on dirait que c'est cuit. Vous croyez que je vais avoir mon examen? Oh! C'est Bobby! C'est Bobby! Il faut que j'y aille! Oh! 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 Tu peux m'aider, chouchou? Ça recommence! Il se passe quoi, chouchou? Je crois que je devrais continuer ce soir, Michel. Oh, maman! Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Reste ici, en attendant que ton père aille mieux. Finalement, je ferais mieux de m'occuper de lui. Notre super chef-d'œuvre de monstre a disparu. Tout a disparu. On dirait que nos téléspectateurs ont aussi disparu.
Ma caméra! Oh non! T'es à plaindre? Regarde-moi, dans la même journée, ma caméra est complètement fichue et l'audience de mon site est en chute libre. Désolée, je suis en retard. Est-ce le merveilleux dessert que vous avez préparé pour l'examen? Oui, vous êtes la toute première à le goûter. Oh, vraiment? Je suis certaine que c'est un délice. J'espère que vous réalisez que ce dessert est pour vous synonyme d'échec ou de réussite, Arlène. Au secours! À l'aide, à moi! Au secours! On dirait que c'est notre blob, Virgile. Il a survécu à la frénésie ménagère de ma mère. J'arrive pas à le croire. C'est notre monstre. Votre monstre? C'était un examen important. Et vous feriez mieux de m'aider pour sortir Mademoiselle Fimpol de là. Un truc m'échappe. Votre mère n'a pas balancé la pâte à monstre dans le lavabo? De la pâte à monstre? Dites-moi que c'était bien de la gelée. De la gelée au citron vert. La pâte à monstre? Non, non, non. C'est pas possible, pas ça. Moi qui croyais qu'hier était le pire jour de ma vie. Une armée de petits globes. Un seul ennemi, tous aux abris. Attends un peu, tout ça s'explique. Tous ces petits blobs ont été fabriqués hier lors de la retransmission sur mon site. Oh, j'ai oublié de parler de l'accroissement de blobs. Tu peux traduire? Notre problème est simple. Blob va devenir un énorme monstre. Et voici une statue grandeur nature du fondateur de notre cité. Que nous pourrons déplacer pour faire plus de place pour la construction. Derrière vous, monsieur le maire. Tout est inutile. Jamais nous n'arriverons à sortir Mademoiselle Fimpol à temps. Oh, ce que je voudrais, que ces deux dernières journées s'évanouissent dans les airs pour tout recommencer à zéro. Arlène, écoute bien ce que je vais dire. Je ne le répéterai pas souvent. Tu es un génie. Et voici mon plan. On va faire voler Blob hors de la ville. Le faire voler? Comment on va réussir à faire ça? Le gonfler. Tu as l'intention de gonfler mon examen? D'accord. Alors, exécutons votre brillante idée. Faites-moi confiance, ce plan est infaillible. J'ai bien réfléchi, il n'y a aucun risque. Vous ne sautez qu'à mon signal. Allez, tu peux me relire le signal? Attention! Attention! On saute! Mais combien de fois il faut lui dire? Oh, encore ce machin? Tu veux bien mettre ça hors de ma vue, d'accord? C'est génial!
Il se dirige tout droit vers l'océan. Brett, alors toi, tu trouves que c'est génial. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur. Oh, oh. Nettoyez chaque centimètre carré de cette ville et je vérifierai personnellement votre travail. J'irai des espaces verts jusqu'à la décharge, je vais vous trouver de l'occupation jusqu'à vos examens. Silence! À cause de vous, il n'y aura pas de complexe hôtelier sur la plage. La seule et unique façon de protéger Ravenville, c'est de vous occuper pendant très longtemps.